de camp sont de taille, on y voit toutes les classes du mago qui asthmate, au chasseur maléfique, du démon psychopathe, au voleur diabolique qui s'arrive par portail, soldat armé de hache. Eh bien, salut tout le monde, c'est Pizza, et aujourd'hui on se retrouve pour un 13e épisode de Hidden Blade Serial saison 1. Donc vous aurez peut-être pu le remarquer, donc déjà j'ai un nouveau pistolet qui tire 3 balles en même temps. J'ai changé de tenue, donc c'est ma préférée. En fait, le truc c'est que j'ai acheté des tenues, et comme j'ai pas fini le jeu, bah je peux pas les sélectionner. Donc, du coup, la dernière que j'ai achetée, bah elle s'est mise, et la dernière c'était elle. Et aussi, j'ai 28 409 shillings. Donc pourquoi ? J'ai amélioré le bateau, donc j'ai mis une coque en bois. Et maintenant il me faut 25 000 pour la coque en fer, mais j'attends d'avoir encore un petit peu plus, d'argent pour l'améliorer encore. Donc voilà, donc il est un petit peu plus résistant. Donc, voilà. Ah, Connor, te revoilà. Que viens-tu faire à Boston ? Te voir. Si vous le permettez, mes amis. Merci, Connor. Cette conversation allait prendre mauvaise tournure. Dis-moi, que puis-je faire pour toi ? Désolé, je viens de me rendre compte d'un truc, c'est que tout à l'heure j'ai joué en hors vidéo, donc j'ai monté le son, vous voyez, voilà. Voilà, donc c'est bon. J'ai besoin de ton aide pour trouver William Johnson. Je vois, je dois me rendre chez des gens qui devraient pouvoir te renseigner. Tu n'as qu'à m'y accompagner. Ouais, bah je parie que... Je suis heureux de voir que les gens se dressent enfin contre l'injustice. Mais tu possèdes une esclave. Suri, j'honore mes convictions, mon ami. Elle n'est plus esclave, je l'ai affranchie. Du moins aux yeux de la loi. Aux yeux des gens, ce n'est pas si simple. Il est tragique que malgré nos progrès, nous accrochions à ces pratiques barbares. Ouais, ok. Alors combat-les, Sam. Nous devons d'abord défendre nos droits. Une fois cette bataille gagnée, nous aurons le loisir d'aborder les autres points. À t'entendre, vous subissez les mêmes brimades que les esclaves. C'est faux. Dis ça à mon voisin, obligé de loger des troupes britanniques. Ou à mon ami qui a fermé boutique, car son commerce irritait. Ok. Hey ! Cette maison est à moi, quoi qu'en disent les percepteurs ! Si ces larves du Parlement veulent me mettre dehors, qu'ils traversent leur mare et viennent le faire eux-mêmes. La loi nous donne raison. Ouvrez cette porte, ou ces hommes vont la foncer. Ah ! Assez, défoncez la porte. Ah ! À chaque coin de rue, tu verras mes propos confirmés, Connor. Continue seul, je te retrouverai à l'endroit convenu. D'accord, donc en fait j'ai changé de couleur. J'avoue que c'est qu'il est aussi stylé en blanc, mais Justice est faite. J'attends leur congénère de pied ferme. Ça va aller ? Ah oui, j'en ai vu d'autres. Malgré leurs dents et leurs griffes, ces renards se battent comme des chiots. Merci, mon ami. Je t'offrirais bien une bière, mais on m'attend ailleurs. Ok, donc je pense que je vais aller garder au niveau de notoriété. Ok. Retrouvez ça, madame. Ah, c'est quoi ça, ce nouveau signe ? Ah, d'accord, donc je dois me débarrasser des collecteurs. C'est bon, des collègues.
Ah, il en manque un. Un avis de recherche, c'est bien. Voilà. Alors, donc 150 mètres. Enfin, 150, 160. Voilà, 150. Désolé si je parle pas fort, je pense que maintenant. Voilà, c'est mieux. Donc, c'était juste parce que je parlais pas très fort. Non. À l'heure, ah bah non, juste là, voilà, c'est bon. Bon, maintenant je vais à mon objectif, hein, parce que j'ai plus rien à voir à faire hors caméra. Donc, je vous annonce que je vais bientôt peut-être faire des vidéos sur Xbox 360. C'est tout, hein. C'était juste comme ça, une petite info. Voilà, j'entrerai maintenant la surprise. Connor, voici les gens qui partagent nos idées. Le propriétaire de ce bel établissement, William Molineux, et le vaillant cuisinier de sa nouvelle entreprise, Stéphane Chaffaut. Ah, Connor et moi venons de donner une leçon à des collecteurs d'impôts venus m'importuner chez moi. Ces collecteurs se font de plus en plus pressants. Il nous faut réagir, Samuel. Il faut que le peuple se rassemble. Il faut faire comprendre aux habitants de Boston qu'ils ne sont plus seuls. La colère gronde sur les quais en ce moment. Les citoyens empêchent le débarquement du thé britannique. Tous les regards convergent sur cette scène. Un Bostonien privé de son thé a tout d'une bête féroce. William Johnson supervise le trafic de ce thé. Un de ses hommes est venu me voir avec ça. Naturellement, j'ai refusé. Mais ce thé sort des bateaux, comme le timbre en témoigne. Vu qu'il en réclame une fortune, il doit se faire un joli bénéfice au passage. Où puis-je le trouver? Je n'en ai aucune idée. Pourquoi cherches-tu cet homme, Connor? Il a l'intention d'acheter les terres où se trouve mon village, sans le consentement de mon peuple. Cette acquisition est sans doute financée par le profit de ses activités de contrebande. Cette taxe sur le thé fait l'affaire des contrebandiers. Je parie que les hommes qui perçoivent l'impôt vendent aussi le thé. Toute scène réclame un spectacle, et je crois en connaître le texte. Oh, c'est bien vide ici. Ah bah, bizarrement, Connor, les tables apparaissent. Retourne sur les quais et assure-toi que ce thé... Détruisez les caisses de contrebande. Ah. Pardonnez-moi. Oh, c'est pas vrai. Alors, je dois aller là-bas détruire les chargements de contrebande. Ok. Par contre, je sais pas du tout où c'est. Donc, c'est ça le problème. T-Act. T-Act, d'accord. Je sais pas. 200 mètres, oh là là. Ils nous mettent de ces distances entre les objectifs. Mais bon, c'est pas grave. Oh non. Oh.
merde. Dégoûtant. D'avoir quelque chose à faire, histoire d'être un petit peu plus fort. 15 shillings sur lui, alors que c'est un contrebandier. C'est pas bien. Je veux plus. Je veux plus pour gagner plus et avoir plus. Je demande plus à mon argent. Limiter l'usage des armes à feu. Non, mais ça, c'est bon. Oh mince, oh oui d'accord, je suis dans une... Mince. Tu n'as pas toute ta tête, petit ? Mince, je suis dans une zone... Ah, comment dire, je suis dans une zone... non autorisée. Voilà. Un contrebandier. Ils sont où les autres? Mince, non. Voilà. Ensuite. Ah oui, c'est tout au bout, d'accord. Détruisez le chargement de contrebandier. Ok, là j'en ai un sur 3. Ah, ils sont loin quand même. Enfin, ils sont loin. Quand même une distance à faire. Ah, il y en a deux ici. Placé. Avec. Non, même pas. Ah, c'est... désolé. Ah, je suis vraiment désolé. J'ai un peu froid. J'ai pas froid, mais... Bon, voilà, quoi. J'ai été animé, c'est... Vous ferez avec. Non, mais je veux juste te tuer. Attends, ah, voilà. Arrête-toi. Moins ça. Ouais, c'est trop stylé. J'ai pris un appui sur le mur. Ouf. Ah, ça fait mal ça. Ah, j'ai mal pour lui. Voilà, je place la bombe. Mince. Allez, vite. Voilà, limite. Utiliser les barils de boule pour détruire un champ. Oh mince. Mais bon, c'est pas grave. Vous êtes incognito. Ok, d'accord. J'espère que. Enfin, je sais pas pourquoi je dis ça, mais bon. J'espère que cette série vous plaît. Hein. Ouais, elle me plaît. À mort, j'adore vous faire des vidéos. Ça, 173 vidéos là, non 172 maintenant, c'est énorme. Bientôt un an d'aventure avec vous, je ferai une vidéo spéciale pour ça. C'est vraiment, mais tout simplement énorme. C'est waouh. Là, en un an, Lolo Pizza va avoir un an de vidéos sur YouTube. Elle a une vingtaine de vidéos. Par rapport à ça, je me dis un peu, c'est énorme d'avoir 172 vidéos en même pas un an d'aventure, pas encore hein, pour l'instant. Mais bon, waouh, ça fait un truc, hein, ça fait un choc.
c'est mon chauve super Kaniga. Il est long à monter, enfin il est long. Non mais enfin, comment dire. Il est pas long, mais bah, il va pas très vite non plus quoi. Intercepté, ah d'accord. Voilà, qu'est-ce qui se passe là? C'est quand c'est sur la piste de Johnson. Approchez, approchez, je me sens d'humeur généreuse. Les marchandises pareilles, on n'en voit qu'une fois dans sa vie. Merveille du monde à la portée de toutes les bourses. Retrouver Stéphane. Mais pourquoi en fait il m'a... Ah d'accord, je devais intercepter les contrebandes et moi je crois que c'était un objectif optionnel. Bon bah, c'est bien hein. Ah, c'est... Je parie que c'est loin encore. Oh non, c'est loin, c'est juste là. Ouais, c'est à la porte là. Est-ce que je vous propose, je vous tente pas règlement. La cinématique. Ouais. Stéphane, qui a-t-il? Où est Sam Adams? Je m'en moque! On m'a volé! Oh, il vient de me le payer, c'est sale, c'est les rats! Où est-ce que tu vas? Reprendre ce qui m'appartient! Ouais, non mais... D'accord, tu parles dans le vide, là. Non, il va pas les tuer. Oh, mais regardez-moi ça! Ces maudites tuniques rouges me tendent la joue. Je vais insercer ton visage au rouge de ta tunique. Voilà. Ces bandits me prennent mon père au Canada. Et voilà qu'ils me ravissent ma propriété. Ici. C'est ça. Les diables rouges ne l'ont pas volé. Mort aux tuniques rouges. Ah, on est en train de créer une manifestation, c'est bien. Vous allez mourir, vous, ok? Bah, y'a plus de manifestation. Stéphane, arrête! Arrête et écoute-moi! J'en ai assez d'écouter. Ils viennent dans ma demeure, me prendre mes affaires. Oh, mais je vais me venger. Celui qui a ordonné ça va payer. Et ses amis aussi. Voilà trop longtemps que je subis ces affronts. Ils vont goûter de mon courroux. Je les tue à l'avance. Voilà. Il a perdu aucun point de vie, c'est bien. Il va pas les attaquer là. Si. Si. L'anglais croise le chemin. Ils me volent ma maison. Ils m'obligent à fuir mon pays. Et maintenant, ils veulent s'approprier ma nouvelle demeure. Non mais sérieux, c'est quoi ces diables rouges, comme ils disent? Ah, c'était cruel à l'époque. Heureusement que c'est plus comme ça. Enfin, je crois que c'est plus comme ça. C'est lui fait du mollet. Voilà. Cette injustice mérite d'être réparée. Mais pas comme ça. Et bah comment? Super. Comment il veut qu'on le répare? On va dire... Monsieur, vous pouvez arrêter de le mépriser. Merci. N'importe quoi. Enfin, allez, avance.
Oui, non, mais c'est bon, avance. Voilà. Voilà. Je les tue à l'avance pour pas qu'il y ait de conflit et tout, que ça prenne trop de temps. Détruit ? Espèce d'incapable ! Vous croyez que je vais annoncer à Johnson que son pays a pris feu par enchantement ? Crétin ! Il y a forcément un responsable, et tu vas trouver qui c'est ! Et si tu échoues, je t'étriperai, et je confierai la tâche à moins stupide que toi ! Que comptes-tu faire ? Ouvrir une porte. T'es... Ah, attendez. Qu'est-ce qui s'est passé là? Mais qui es-tu, bon sang? Wow! Pourquoi? Vous n'avez pas le droit de spoiler les gens. Avec ou sans l'aval du Parlement anglais? Le Parlement anglais? Je travaille pour William Johnson. Johnson? Achève-le sans souffrance. Pitié! Ouf! Ah, c'est violent, hein. Les gens semblent écouter tes paroles. Mais que vont devenir tes biens? Si les gens m'ont écouté, c'est parce que je leur ai hurlé la vérité au visage. Cela vaut bien 1000 fois le contenu de mon coffre. Les Anglais, ils peuvent se les garder, mes biens. Tu as bien agi, Stéphane. J'avais promis de t'offrir une bière quand tu m'as aidé. Mais maintenant, je suis prêt à t'offrir ma loyauté. Ton aide est la bienvenue et je t'en remercie. Maintenant, allons retrouver Sam Adams. Le chef en colère. On va faire une dernière mission et après on se quittera pour un nouvel épisode. Récompense, clé du coffre, Boston Centre. Ah, je peux prendre capacité assistant, valeur recrue. Ok, chercher une mission de cette icône. Il est où le coffre? Coffre de Johnson. Il m'a débloqué un coffre, mais je sais pas où il est. Bon, c'est pas grave. Je vais faire une dernière mission et on se quittera pour le 13e épisode. Non, 14e, pardon. Parce que là, on est dans le 13e. Oui, donc je vais à la mission. Je vais peut-être vous quitter en plein milieu de la mission. Après, si je vous quitte en plein milieu, je ferai une deuxième partie. Voilà, je cours. Non, 100 mètres, ok, ça va, c'est pas très loin. En fait, c'est dans le jeu, quand on saute d'un toit, c'est soit on prend aucun dégât, soit on perd la moitié de sa vie. Super. Parce que là, il fait une roulade, il prend aucun dégât. Je saute de une fenêtre un petit peu plus en haut. C'est bon, je suis mort. Mais le gouverneur Hutchinson s'oppose à leur départ. Et maintenant, on attend le signal. Quel signal? Cette assemblée ne peut rien de plus pour sauver notre nation. Celui-là. Ah, c'est évidemment Candy, quel signal qu'il arrive. Bonsoir, messieurs. Êtes-vous prêts? Non. Que se passe-t-il? J'ai passé la journée à errer d'une folie à l'autre sans comprendre le sens de mes actes. Avant d'aller plus loin, j'aimerais savoir quelles sont tes intentions. Bien sûr. D'abord, nous allons nous rendre chez Nathaniel Bradley pour rassembler le reste de notre groupe. Puis, nous irons à Griffin's Wharf pour aborder les navires et jeter le thé à la mer. C'est simple, non? Plus simple à dire qu'à faire. Allons, Connor. Ce soir, nous aurons tous gagné. Les Fils de la Liberté vont envoyer un message à l'Angleterre, et tu vas priver Johnson de ses finances.
ton village sera sauvé. J'ai une idée. Pourquoi n'ouvres-tu pas la voie? Ça nous épargnera les mauvaises rencontres. Non? Ouais. Moi, bof, hein. Bon sang, d'autres gardes. Nous devons absolument tirer profit de la colère des habitants. Donne l'ordre, Connor, et je m'en charge. Alors, assassiner T. Il va pas le tuer. Je les ai tués. D'accord, bah je peux parler, il parle pas. Des soldats! Il faut tenir ces chiens à distance pendant qu'on jette le thé à la mer. Je vais t'aider. Dis-moi ce que je dois faire. Ok. Ils sont où les gardes? Ils sont où les gardes? D'accord, il y a assis sont là. D'accord, faut le lancer à la mer. Mais non, mais moi je veux lancer à la mer. Ah, faut en jeter 100. Voilà. Voilà, allez, vite. Il me faut... Oh, mince.
Voilà. Double assassinat. Mince, ils sont en train de se battre. Voilà. Voilà, c'est bon. Désolé si je parle pas, c'est parce que je m'acharne sur ma souris là. Voilà. Ah, merc. Voilà, petit fail. Vidéo sans fail n'est pas une bonne vidéo. Voilà. Ah, je dois courir entre les deux bateaux là. Bon, je pense qu'ils vont pouvoir s'en occuper. Mince, non, pas par là. Oh là là. Désolé pour le temps. Mais aide-moi lui. Enfin... Oh non. 1,95. Non, moi je reste à bord du bateau. Voilà, c'est bon. Pardon. Nous avons réussi. Non, attends, non, là, c'est eux. Connor, on t'a gardé la dernière. C'est Charles Lee. Il vaut mieux ne pas traîner, hein. Oh, je parie que je vais avoir une notoriété. Non, c'est bon, j'ai rien. La tea party. D'accord. N'importe quoi. La tea party. Alors, bon, bah, on va se quitter ici. Bah, je vous dis à plus.